point d'appui de l'Europe actuelle, la Shoah, qu'on le veuille ou non, constitue, on le sait tous, le modèle mémoriel par excellence. Dans nos sociétés démocratiques, bon, la mémoire de la Shoah, nous le savons, s'est imposée en véritable vertu cardinale. La Shoah est devenue, ou la mémoire de la Shoah est devenue omniprésente, au point que certains parlent, non sans raison, d'hypermnésie. Il se dégagerait presque, c'est le sentiment d'un de mes amis, Georges Bensoussan, il se dégagerait presque un sentiment, je le cite, de saturation, voire de trop-plein. Peut-être. Reste que ce phénomène n'est pas fortuit. La force et l'importance de la mémoire de la Shoah s'expliquent à la fois par l'exceptionnalité de l'entreprise criminelle nazie. La Shoah est, qu'on le veuille ou non, un événement sans précédent dans l'histoire, et on a beau utiliser effectivement ce terme dans les pays baltes, je pense qu'on en est loin, et on s'est bien rendu compte à travers votre exposé ce qu'est un génocide et ce qu'il n'est pas. C'est tout simplement qu'après le procès du Nuremberg, mais comme j'essaie de l'expliquer justement, c'est-à-dire que le phénomène n'est pas fortuit, donc le phénomène d'hypermnésie aujourd'hui, c'est un peu la thèse que je vais essayer de développer, c'est-à-dire ce phénomène d'hypermnésie s'explique à la fois par l'exceptionnalité donc, de l'entreprise criminelle, et aussi, et c'est comme je vais le développer, par les excès de la période quasi-amnésie qui a précédé ce qu'on pourrait qualifier donc d'hypermnésie. C'est qu'après le procès de Nuremberg, qui a évoqué la Shoah, contrairement à ce qu'on dit, mais de manière un peu périphérique, l'Europe a connu une période, on pourrait dire, sinon de silence, en tout cas de refoulement, vis-à-vis du génocide juif ou du génocide des juifs. Au départ, l'enjeu de la déportation raciale, en fait, est quasi absent des agendas européens. Dans un climat, dans un contexte de mémoire antifasciste et patriotique hégémonique, la mémoire de la Shoah a émergé très lentement et tardivement, et ce n'est pas toujours évident à l'expliquer aux étudiants, et ce, y compris en Israël. C'est bien en réaction au silence de leurs pères, qu'ils fussent bourreaux, victimes ou simplement témoins, que des enfants ont exigé des comptes à partir des années 70. Comme l'a démontré Anne Vejvorka, le sort spécifique des déportés raciaux, donc, fut largement occulté jusqu'aux années 70. La collaboration européenne et les responsabilités des alliés, on peut le dire, gommées. Il faudra attendre 1995 pour que la France reconnaisse enfin la responsabilité, non pas de la France ou des Français, mais de l'État français, dans la traque des Juifs et des persécutions juives, et 2012 pour que Eliodi Rupo, notre premier ministre de l'époque, reconnaisse les complicités de l'appareil d'État dans le processus de destruction des Juifs de Belgique. Donc, en fait, les premiers temps sont bien ceux de l'amnésie. Dès 1944, les principales forces politiques s'entendent dire, au fond, autour d'un récit national patriotique destiné à faire de la collaboration une parenthèse de l'histoire nationale, à faire de la seule résistance l'objet central de la mémoire nationale. Et c'est principalement le cas de la France, bien évidemment, qui est emblématique à la mémoire gaullienne, pourrait-on dire. C'est ce dont témoigne à sa manière l'article que Le Monde consacra le 8 février 1945 à la libération d'Auschwitz, qui était survenue une semaine plus tôt, le 27 janvier. Le quotidien de référence présenta l'événement de manière un peu anecdotique. Je cite Le Monde, « L'agence TASS annonce la libération de 4000 déportés politiques, français, belges et hollandais, détenus dans les camps de concentration d'Oswiecim. » Donc le plus grand centre d'extermination, où périt à peu près 1 200 000 personnes, dont 1 million de juifs, n'est cité que sous son nom polonais. Des déportés raciaux, il n'en est pas question. Et je cite un autre article paru quelques jours plus tard, le 17 février. « Jamais, depuis 4 ans, lit-on, quelques jours plus tard, donc dans le même quotidien, la France n'a espéré, avec plus d'exaltation que maintenant, le retour des absents. Et quels sont ces absents, nous dit Le Monde? Prisonniers, militaires, déportés politiques, otages, travailleurs, 3 millions sacrifiés. » Le Monde, on pourrait le dire au sens particulier comme au sens générique du terme, fit, alors ça c'est l'expression fétiche de mon maître, Maxime Steinberg, l'impasse sur la spécificité de la déportation. Et toute la question est de s'interroger pourquoi. Tout simplement, pourrait-on dire, parce qu'à la libération, l'heure est effectivement, on l'a expliqué ce matin, à la reconstruction, au rétablissement de l'unité nationale, malgré, ou devrais-je dire, plutôt à cause de la collaboration. Le silence tenait en effet à cette évidence. Comment évoquer le sort des Juifs, sans renvoyer aussitôt à la collaboration active ici de Vichy, la passive de l'État belge, sans évoquer encore le silence de l'Église,
Bien sûr, Pie XII, mais en ce qui nous concerne, le cardinal Valrouille, qui se trouvait à quelques centaines de mètres de la caserne de Sainte-Maline. Sans évoquer aussi les arrangements antifascistes, le parti des 75 000, des 75 000 fusillés, et enfin, ce qu'on pourrait qualifier d'aboulie des alliés, qu'on connaît bien aujourd'hui, hein, l'aboulie des relations internationales, l'aboulie des grandes puissances, on le voit aujourd'hui justement vis-à-vis de la tragédie qui se déroule sous nos yeux à Alep. Faut-il rappeler que les États-Unis avaient refusé d'ouvrir leurs portes à l'immigration juive, à partir, il y avait des quotas racialistes, et qu'ils s'étaient tout autant refusés à envisager de s'intéresser à des cibles, entre guillemets, juives. Alors c'est la question du bombardement d'Auschwitz notamment. C'est ainsi qu'on en vint assez vite en France, mais on pourrait dire aussi en Belgique, mais aussi en Pologne ou aux États-Unis, à noyer le génocide des Juifs dans un contexte de persécution générale. Le processus de destruction des Juifs ne cadrait pas avec le récit voulu tant par la droite patriotique que les communistes, sans même parler des catholiques. Alors, pour preuve, et pour le démontrer de manière assez simple, on pourrait parler de la mascarade autour des chiffres, des statistiques mortifères d'Auschwitz. Pour satisfaire les uns comme les autres, le gouvernement communiste polonais, les catholiques, l'Église catholique, on rajouta tout simplement 3 millions de victimes aux millions de Juifs assassinés. On s'attacha, comme le souligna un des rescapés d'Auschwitz, l'historien Michel Borschwitz, à déjudaïser, bon, l'expression est forte, les chambres à gaz, au bénéfice d'une mémoire à la fois antifasciste, polonaise et catholique. En avril 1967, lors de l'inauguration du monument international d'Auschwitz, qu'on peut toujours voir à Birkenau, dans le long discours prononcé à l'occasion, le premier ministre polonais ne mentionna pas une seule fois le mot juif. Ceci expliquant cela, aucun des lieux de mémoire français ou belge de la déportation juive ne sera d'emblée transformé en musée ou en mémorial. Les camps d'internement de Gurs, de Bithyviers, des Milles furent démantelés. Drancy redevint une cité dortoir, qu'elle est toujours. La caserne d'Ossin, le camp de transit de Malines d'où partirent près de 26 000 juifs, vers Auschwitz redevint, après avoir brièvement interné des inciviques, une caserne militaire. Ce ne sera qu'en 1956, donc 11 ans après la libération, qu'on songera à organiser un premier pèlerinage et 96 à accueillir un petit musée aux grandes dames de ses occupants, parce qu'entre-temps, la caserne d'Ossin, si vous ne le savez pas, avait été transformée en immeuble d'appartement de luxe. Mais donc, il y a eu des pétitions, des gens qui ne comprenaient pas pourquoi on allait créer un musée sur la Shoah dans leur, là où ils vivaient dorénavant. Dans cette perspective résistentialiste, pour reprendre l'expression d'Henri Rousseau, l'impasse sur le sort spécifique des Juifs reste entier, comme en témoigne en 1955 ce magnifique documentaire « Nuit et brouillard » d'Alain René. Alors ce documentaire, aujourd'hui, lorsqu'on le voit, il évoque immanquablement le génocide des Juifs. Et c'est la raison pour laquelle je pense que Jacques Lang avait, au moment fort du négationnisme, proposé de le diffuser, ou l'imposer même, sa diffusion, à l'ensemble des classes. Or, dans ce documentaire de 32 minutes, qui est dédié à la dénonciation des crimes nazis, à juste titre, c'est un beau film, le mot juif n'est prononcé qu'une seule fois, dans une liste de victimes de l'extermination. On dit « Stern, étudiant juif d'Amsterdam », comme si toutes les autres victimes, telles cette Annette Lycienne de Bordeaux, ne l'étaient pas. Le film d'Alain René est tout à la fois représentatif de la mémoire résistancialiste pour gommer ainsi des complicités françaises dans la destruction des Juifs de France, ben, il est aussi, mais il est aussi représentatif, encore une fois, de l'impasse sur la réalité du génocide des Juifs. Alors, pour preuve, le fait que la censure française, si vous ne le savez pas, obligea Alain René à supprimer une photographie d'archives sur laquelle on voyait un gendarme français surveiller le camp de Pithiviers. Et il est évident que le camp de Pithiviers, comme le camp de Gurs, tous les camps qui étaient en zone Nini, ou ce qu'on appelle la zone libre, en fait, étaient surveillés par des gendarmes français. Il n'y avait pas de SS, bien sûr, dans ce qu'on appelait la France libre. La France, donc, s'entendait innocente de la Shoah, d'où les lois d'amnistie, j'y viens, hein, au sujet. Peut pas en périphérie. D'où les lois d'amnistie de 1951, puis plus générales, 1953. En 1949 déjà, tandis que René Bousquet, l'ancien secrétaire général à la police de Vichy, responsable de la rafle du Vélodrome de Rivers, était blanchi par la Haute Cour de justice, pendant ce temps-là, François Mitterrand, alors porte-parole du gouvernement Queuille, présentait à l'Assemblée nationale un projet d'amnistie. Alors, une des raisons, et ça a été évoqué par Stéphane Gacon ce matin, c'est que
c'est la guerre froide, et donc dans un contexte d'exclusion des communistes, il s'agit tout simplement de rallier à la France une partie de la France de Vichy. Donc il y a toujours des modalités, effectivement, dans les amnisties. Les Juifs, donc, n'eurent d'autre choix, à l'époque, que de faire bon gré mal gré, devrait-on dire, profil bas. Le temps de la France était à l'oubli, à l'amnistie. Le temps des Juifs était alors moins à la revendication, à la protestation, à la victimisation. On peut être victime et ne pas se victimiser, ce qui n'est pas la même chose. Donc il était donc moins à la victimisation qu'à la reconstruction, qu'à la résilience, qu'à la résignation et au silence. Les Juifs avaient presque tout perdu, ou presque, et comme le souligne Simone Weil dans ses mémoires, leur souffrance en fait était totalement, et vous le savez, c'est bateau de le dire aujourd'hui, mais on a mis du temps à le savoir, à s'en rendre compte, leur souffrance était inaudible, non pas indicible, inaudible. Les rescapés n'étaient pas audibles, pourquoi ? Pour diverses raisons. D'abord, leurs paroles se heurtaient au doute, à l'incrédulité, à l'agacement, et même des Juifs qui n'avaient pas été déportés. Ensuite, ils étaient moins nombreux à revenir de déportation. En France, sur les 76 000 Juifs déportés, la plupart des étrangers, deux tiers d'étrangers, seuls 2500 sont revenus. 2500 sur 76 000, c'est rien. 3% des déportés ratios contre 59% des détenus politiques. Donc il n'est pas étonnant que la mémoire qu'on a retenue est la mémoire des politiques et pas des ratios. En Belgique aussi, la statistique confirme ce rapport. Tandis que la population juive comptait en 1939 à peu près pour 0,3% de la population totale, donc une infime partie de la population totale de Belgique, les Juifs ont quand même constitué 60% des victimes de la déportation. Ce qui signifie bien évidemment qu'à la libération, la mémoire des 1207 survivants juifs et des 15 survivantes tziganes d'Auschwitz a été logiquement engloutie dans celle des 30 000 autres déportés de toutes les autres catégories. La mémoire est aussi une question de chiffres, de proportions et de survivants. Dans toute l'Europe, les récits des Juifs furent ainsi, logiquement, je répète, ignorés au profit des témoignages des politiques, des résistants, dont les morts apparurent autrement héroïques. On vivait à l'époque plus dans l'ère du héros que dans l'ère de la victime. Aujourd'hui, nous vivons dans l'ère de la victime. À l'époque, on vivait plutôt encore dans l'ère du héros. Il est difficile d'imaginer aujourd'hui la difficile réception des premiers récits autobiographiques sur la Shoah. En Belgique, comme en France, ou encore comme en Italie, le génocide des Juifs apparaissait en quelque sorte hors sujet. Si c'est un homme de Primo Levi, ne se vendit qu'à 1500 exemplaires. 10 ans plus tard, Elie Wiesel eut les mêmes soucis avec son récit autobiographique La Nuit. Il y eut toutes les difficultés à trouver un éditeur. On estimait que son sujet était morbide et surtout pas vendable. Et c'est vrai qu'il fut édité aux États-Unis en 1960 et il ne vendit que 1446 exemplaires dans les 18 premiers mois de sa parution. Aujourd'hui, il en est à 6 millions. Donc on voit que l'époque rendait pratiquement inaudible le récit des déportés. Alors la question des procès, comme celle des pensions d'après-guerre, confirme en fait la faible attention, on pourrait dire les impasses ou les blocages, accordés aux morts comme aux rescapés des déportations raciales. La Belgique refusera tout statut particulier aux ratios, aux déportés ratios. Pour être reconnu par l'État belge, il fallait que le déporté ait été de nationalité belge au moment de sa déportation, et tout le monde sait que 93% des déportés de Belgique étaient étrangers, la plupart originaires de Pologne, et accompli un acte patriotique, ce qui, reconnaissons-le, n'était pas évident dans le chef d'une mère de famille qui accompagnait son enfant, d'un grabataire, d'un vieillard ou d'un nourrisson gazé dès l'arrivée à Auschwitz. Et pourquoi gazé ? Du seul fait de sa judéité. Pire encore, lorsqu'en 1960, l'Allemagne fédérale décida de verser 80 millions de Deutschmark au titre de réparation de déportation, l'État belge oublia en quelque sorte les déportés raciaux, au motif aussi qu'ils n'étaient pas belges, pour la plupart d'entre eux, au moment de la déportation. La justice ne fut guère plus favorable aux Juifs. Dans les grands procès d'après-guerre, sans pour autant qu'on ait occulté, il ne faut pas non plus exagérer, mais ce qu'on peut dire, c'est que la problématique de la persécution des Juifs, elle ne fut jamais au cœur des réquisitoires. En France, la politique antisémite de Vichy, les procès qui concernèrent Laval, d'Arcadie, de Pellepoix, en fait, on évoqua relativement peu le génocide. On l'évoqua en quelque sorte qu'incidemment.
Sur la trentaine d'articles, un exemple que consacra Le Monde au projet du maréchal Pétain, ne figurent que deux allusions aux politiques et à la persécution raciale, dont il fut naturellement, on le sait tous aujourd'hui, un des acteurs. En Belgique aussi, la Shoah ne figurera que comme circonstance aggravante, et on n'a pas le temps de développer, mais dans les procès notamment des deux commandants d'Auschwitz, hein, Philippe Schmidt et Johannes Frank, on les condamna davantage pour avoir été commandant de Brindonk que commandant d'Auschwitz, de Malines, de la caserne de Dessin, où les Juifs avaient été rassemblés. Rappelons donc, en ce qui concerne la Belgique, qu'il faudra attendre le procès Lischka à Cologne en 1979 pour qu'apparaisse le nom du chef de la ZIPO-SD à Bruxelles, Ernst Ehlers, qui se suicidera un mois et demi avant l'ouverture de son procès à Kiel en 1980. Et c'est vrai, quelquefois, le fait d'être menacé de jugement peut amener un certain nombre de gens à réagir de manière la plus brutale qui soit, c'est-à-dire jusqu'au suicide. Et finalement, plus de 35 ans après les faits, après la libération, après donc le suicide d'Ehlers, ce sera uniquement Kurt H., chargé des affaires juives, qui comparaîtra et qui ne sera jugé, qui ne sera condamné qu'à 7 ans d'emprisonnement. Alors on peut se poser la question, je me suis dit, est-ce que 7 ans d'emprisonnement, est-ce que dans une certaine mesure, ça ne constituerait pas une sorte d'amnistie, 7 ans d'emprisonnement? Je ne sais pas. On comprend dès lors sans peine, oubliez cette idée, on comprend dès lors sans peine en quoi, dans le contexte d'impunité des bourreaux, mais aussi de nombreux collaborateurs, la question de l'amnistie, et même celle du pardon accordé aux repentis, a pu poser question. Rappelons qu'en 1961, le Parlement belge votait une loi dite Vermeil, qui réhabilitait dans leurs droits civiques et politiques tous les collaborateurs condamnés à moins de 5 ans, mais qui en avaient fait la demande, c'est-à-dire des repentis, en quelque sorte, soit, estime-t-on, et là j'ai lu dans l'article de José Kotovic, à peu près 50 000 personnes, si je ne m'abuse. On comprendra mieux encore les remous que susciteront les 31 propositions d'amnistie, c'est-à-dire d'effacement collectif des crimes déposés par des parlementaires belges entre 1966 et 1975. Comment accepter d'effacer des crimes qui n'avaient été réellement, et c'est ça la question, ni jugés, ni réparés, et faut-il encore le préciser, ni réellement documentés? Et là aussi, c'est un point important. C'est que globalement, l'université et les centres de recherche, tant en Belgique qu'en France, au fond, ignoraient la réalité de la déportation des Juifs. En France, mis à part le Centre de documentation juive contemporaine et ses remarquables chercheurs, on pense à Bilic, à Poliakov, à Georges Vellers, le champ de la Shoah n'avait pas vraiment été labouré. Et on peut dire qu'il en était de même en Belgique, jusqu'à la Révolution, encore une fois, Maxime Steinberg, un chercheur que je qualifierais de solitaire, qui ne sera jamais véritablement reconnu par l'université belge. Citons la création en 1967 du Centre de recherche et d'études historiques de la Seconde Guerre mondiale, l'ancêtre du CEGES, et on doit reconnaître que le CEGES, le pré-CEGES, pas le CEGES d'aujourd'hui ou d'hier, mais le CEGES d'avant-hier, ne se consacre à guère à la question juive, à la question des persécutions juives, et ce, jusqu'à l'an 2000, et à son fameux rapport, effectivement, sur la Belgique docile. Cette occultation donc, du sort des déportés raciaux donc, fut le fait des pouvoirs publics, fut le fait des universitaires, mais aussi, et là, peut-être c'est un faux paradoxe, des organisations patriotiques et antifascistes. Au sortir de la guerre, la mémoire de la déportation est dominée par les communistes. À l'origine de la création en France de la Fédération nationale des déportés internés résistants et patriotes et en Belgique, de l'amicale des ex-prisonniers politiques d'Auschwitz et Birkenau, camp et prison de Silésie. Cette amicale, où les Juifs sont sans doute majoritaires, et pour cause, défendra bec et ongle jusqu'à la chute du communisme une représentation qui privilégiera la seule déportation politique, c'est-à-dire une vision exclusivement basée sur les faits de résistance au détriment de la spécificité, bon, les races n'existent pas, mais là, elle existait malheureusement dans le chef des nazis, de la spécificité raciale des déportations depuis notamment la caserne Malines, la caserne d'Ossin de Malines. L'amicale refusera d'ailleurs d'intégrer les déportés non politiques, c'est-à-dire entre guillemets les raciaux, qui devront constituer en 1953 leur propre amicale pour défendre, nous l'avons vu en vain, leur droit à la pension et à la reconnaissance. Cette amicale eut notamment pour objectif la mise en place par deux fois
du pavillon belge d'Auschwitz, inauguré une première fois en 1965, puis une seconde fois en 1982. En 1957, en effet, l'État communiste polonais charge le Comité international d'Auschwitz, le CIA, pas la CIA, de contacter les différentes amicales d'Auschwitz pour les convaincre de construire un pavillon national consacré aux Belges déportés à Auschwitz. Dans aucun des échanges de courriers, le mot juif est prononcé, ni par les Polonais, responsables plus ou moins directs de la conservation du camp, ni par les amicales impliquées dans l'internationalisation du site. On peut parler d'amnésie. Et elle est totale. Dans ce pavillon qui sera, comme je l'ai dit, inauguré en 1965. Ce premier pavillon fera, en quelque sorte, impasse sur le signe juif, et ce quand bien même, l'ai-je dit déjà trois fois, 99%, 99% des déportés de Belgique le furent du seul fait à Auschwitz, du seul fait de leur judéité. Sur les 60 documents qui seront exposés, seuls 6 concernèrent la déportation raciale. On peut dire qu'à l'époque, Auschwitz n'était pas encore le symbole qu'il est aujourd'hui, celui de la déportation des Juifs d'Europe. Loin s'en faut. Il en sera pratiquement de même quelques 20 ans plus tard, lorsqu'à la suite de la visite en 1977 du roi Baudouin à Auschwitz, il fut décidé de réaménager la salle belge. Et là aussi, l'orientation idéologique, on pourrait dire antifasciste, ne fut guère différente de l'expo initiale. Elle resta fondamentalement résistentialiste. Le nouveau pavillon n'évoquait guère la Shoah, elle l'évoquait, mais guère. Et on peut dire que l'installation principale qui était due à un artiste, Serge Creuse, et qui constituait en une vitrine qui donnait à voir un salon que l'on supposait vidé de ses occupants pour cause de rafles, eh bien ce salon typique, il était typique dans la mesure où il n'y avait aucun signe juif, mais il y avait une représentation de Bruegel. Et donc, en fait, l'idée qu'on voulait nous donner, et pourquoi pas dans une certaine mesure, mais qui n'est pas conforme en quelque sorte à la vérité historique, c'est que tout Belge devait s'imaginer comme une victime potentielle des rafles nazies. Donc, cette installation, on peut parler d'installation, figurait non pas la singularité de la Shoah, mais en quelque sorte l'universalité des persécutions nazies. Bon, nous savons qu'il en était un tant soit peu différent, comme je l'ai expliqué, puisque 99% des 27 000 déportés de Malines ont encore une fois été déportés parce qu'ils étaient juifs ou supposés tels, puisqu'il y avait même quelquefois des convertis au christianisme, ou tziganes. Alors, je vais bientôt m'acheminer, rassurez-vous, à la conclusion. Jusqu'à la chute du mur en 1989, donc, l'amicale, qui fait un travail remarquable aujourd'hui, donc encore une fois, je ne suis pas là pour noircir le travail, encore une fois, je le répète, remarquable, de la Fondation Auschwitz d'aujourd'hui, restera fidèle à la vision antifasciste, comme en témoigne cette curieuse mais passionnante interview que Moritz Goldstein et Paul Alter, respectivement président du Comité international d'Auschwitz et président de la Fondation Auschwitz, accordèrent au politiste Jean-Charles Schurek. Le débat portait évidemment sur l'occultation supposée au réel des Juifs par les responsables tant de la Fondation que du Musée mémorial d'Auschwitz. Cette interview est intéressant dans la mesure où les réponses sont empreintes de franchise, de candeur et peut-être un rien, je dirais, de mauvaise foi. Alors je cite Maurice Goldstein, je le cite. « Moi, je suis conscient que depuis longtemps, il y a une tendance à ne pas apparaître d'une manière trop publique, à ne pas faire apparaître, excusez-moi, d'une manière trop publique, le fait que la grande majorité des victimes d'Auschwitz étaient juives. Et j'ai questionné à ce sujet, il y a 15 ans, des camarades polonais. Ils m'ont répondu en substance. Nous, on ne classe pas les gens comme les nazis l'ont fait. Pour nous, les juifs de Belgique étaient des Belges. Et quand nous évoquons les victimes des différentes nationalités assassinées ici, nous ne les qualifions pas comme juives, parce que... » Et puis il s'arrête et il dit, ce discours était-il sincère ou était-il un peu cynique ? Il termine sa phrase. Paul Alter, je le cite, « Je ne crois pas qu'il ait été dans la volonté politique des gens de l'époque de cacher le génocide juif à Auschwitz. » Je crois que c'est un phénomène qui s'est peut-être développé petit à petit par la suite. Il y a aussi le fait de la création d'un bloc spécifiquement consacré à l'extermination des Juifs, à la martyriologie juive. Cette création a été, je présume, le résultat d'une certaine bataille, puisqu'il a fallu obtenir un emplacement. Et là, il dit cette phrase quand même intéressante. Personnellement, et je vous le dis honnêtement, j'ai été choqué par la création d'un bloc spécifiquement juif. Et je me suis dit que c'était une concession que le gouvernement polonais
et les autorités du musée avaient fait justement aux réclamations des communautés juives de par le monde. Qui peut contester ce fait que le sort des Juifs était prédéterminé par l'extraordinaire machine de l'extermination? Mais s'agissant des camps de concentration et d'extermination, le sort des non-juifs était également épouvantable. Certes, il n'était pas sélectionné à l'arrivée, mais, et j'arrête la citation ici. Voilà, 2 années plus tard, en 1992, le chercheur Jocelyn Grégoire revenait dans un colloque international, j'ai pratiquement terminé, sur les blocages idéologiques, revenait justement sur les blocages idéologiques des fondateurs de l'Amicale, à travers une série d'interviews, dont celle de M. Aldorfer et de son épouse, qui avait été, je pense, premier président de l'Amicale. L'interview portait sur l'opposition de l'Amicale à la racialisation, c'est leur expression, de la Shoah. C'est-à-dire, et dans le cas précis qui nous intéresse, dans le fait qu'on avait remplacé les croix qui figuraient sur les tombes de fusillés juifs. Et on les avait remplacées par des étoiles de David, dans l'enclos des fusillés du tir national, qui sont situés à Skarbek, près de la RTBF. Et je cite Mariette Aldorfer, je la cite. Vous n'entendez pas bien ? Mais j'ai terminé trop tard. Désolé. Nous, amicales des ex-prisonniers politiques de Silésie, pensons que le cimetière du tir national, étant un lieu de pèlerinage, un haut lieu de la souffrance appartenant à la nation tout entière, devait rester intangible, comme il fut créé avec l'accord de toutes les familles unies il y a 28 ans. Par conséquent, nous estimons qu'il est de notre devoir d'alerter les organisations politiques afin qu'elles s'élèvent contre les menées inqualifiables de personnes utilisant nos morts à des fins partisanes. Alors, rendre son identité juive à un fusillé constitue-t-elle forcément une instrumentalisation partisane ou un juste retour à l'histoire, comme le souligna dans l'une de ces questions le jeune chercheur Jocelyn Grégoire. Et il pose la question aux Aldorfer. Question, n'est-ce pas une réaction motivée par une sorte de négligence prolongée dans la reconnaissance publique de la dimension spécifiquement juive de la déportation, l'extermination ? N'est-ce pas aussi ce qui explique les réactions plus récentes de la communauté juive face à l'occultation de cette dimension dans le musée d'Auschwitz ? Et Mariette Aldorfer répond, c'est tellement évident, et puis cela ne m'est jamais venu à l'esprit de devoir prononcer le mot juif, pour que les choses soient valables. Tous mes amis et tous ceux avec qui j'ai été le plus intime sont des juifs. Donc voilà, alors ma conclusion, et je termine, une page. Conclusion, de ce qui précède, on comprendra plus facilement en quoi les propositions d'amnistie ont pu paraître totalement incongrues ou scandaleuses aux yeux des victimes de la guerre en général, et je dirais juives en particulier, pour qu'elles puissent être prises en considération. Et je crois que c'est un peu le sujet qu'on a eu aujourd'hui. L'amnistie nécessite que soient respectées, je dirais peut-être, 3 conditions fondamentales. D'abord, l'amnistie ne peut être accordée aux auteurs de crimes graves tant que les victimes n'ont pas été reconnues ou ont obtenu justice. La justice d'abord, et puis la reconnaissance ensuite, c'est fondamental. Et ça a été le cas en Afrique du Sud. Mais ça n'a pas été le cas, on l'a vu, pendant quelques 30 ans en ce qui concerne la Shoah. Deuxième élément, les faits et les responsabilités doivent être au préalable clairement établis, car on ne peut pardonner ce que l'on ne connaît pas. L'histoire doit être dite, et un peu comme l'avait dit Nelson Desmond Tutu, il faut lire au moins le livre jusqu'à la dernière virgule, jusqu'à la dernière page, au risque de l'oubli. Hein, si on a, et c'est pour ça le titre de mon exposé, si on a une amnistie sans histoire, on arrive forcément à l'amnésie. Enfin, que l'auteur du crime ait manifesté son repentir et demandé dans une certaine mesure le pardon, ou alors, en l'absence, que la nation responsable reconnaisse elle-même les responsabilités. Et là, on songe au geste magnifique de Willy Brandt en 1970 face au monument du ghetto de Varsovie, ou au discours de Jacques Chirac ou d'Elio Di Rupo. Il est évident qu'une éventuelle politique d'amnistie ne s'improvise pas, comme en témoignent les cas du Rwanda ou les cas d'Afrique du Sud. Et je terminerai, vraiment terminé, par une réflexion personnelle. Il y a un texte de Vladimir Yankelevitch qui me concerne de plus, c'est dans Pardonner, qui s'intitule Pardonner, c'est dans l'imprescriptible, publié en 1986, où Yankelevitch souligne le caractère inadapté de la prescription pour des crimes dont les preuves, je le cite, ne dépérissent pas avec le temps. Yankelevitch évoque également l'importance de la mémoire, l'impossibilité presque ontologique que constituerait un oubli de ces crimes. Et je le cite, « Dans l'universelle amnistie morale depuis longtemps accordée aux assassins, les déportés,
les fusiller, les massacrer, n'ont plus que nous pour penser à eux. Si nous cessions d'y penser, nous achèverions de les exterminer, ils seraient anéantis définitivement. Les morts dépendent entièrement de notre fidélité. Merci.